Bah, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être venus si nombreux pour ce débat, cette soirée qui va clore le cycle de conférences du Mouton numérique de l'année 2018. Et pour commencer, on voulait dire merci à FGO Barbara. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu qui accompagne les artistes émergents. Donc vous avez ici des salles de danse, une salle de spectacle, des studios d'enregistrement. Beaucoup de travail avec le quartier aussi, donc on est très content de pouvoir faire ça ce soir dans un aussi bel endroit, et on espère que vous reviendrez, évidemment. Je continue dans les remerciements. On remercie aussi Social Terre, le magazine, le Zéphir Mag et France Culture Conférence, qui sont nos partenaires permanents avec qui on a l'habitude de travailler, donc merci à eux. Et on est très content de le faire depuis maintenant plus de 2 ans. Avant de commencer, je vais aussi resituer un peu pour ceux qui ne nous connaîtraient pas le Mouton numérique. On est une association qui existe depuis maintenant 2 ans et qui s'est donnée pour ambition d'éclairer la société qui innove. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire porter un regard critique, constructif sur nos choix technologiques et parfois nos non-choix technologiques et sur ce monde qui se numérise avec et aussi sans nous. Une numérisation qui a plein d'avantages, on le sait tous, et puis aussi plein d'inconvénients. Beaucoup de risques pour la démocratie, pour la biosphère, pour l'économie et pour toutes ces choses qui, de manière générale, subissent des mutations parfois inconnues et imprévisibles au contact du numérique. Chaque année, on dédie un débat de notre cycle à un sujet qui nous permet de nous décentrer, en fait, de sortir un peu de notre regard très occidental sur la technologie, d'où la soirée de ce soir, donc avec un sujet comment l'Afrique questionne notre innovation, vous noterez les guillemets, justement. Alors, on le sait, évidemment, que c'est un sujet qui est très vaste, tout simplement parce que l'Afrique, c'est quand même un continent qui regroupe 54 pays, 1,2 milliard d'habitants, 2000 langues de parler. Donc on va essayer quand même de restreindre un petit peu le sujet. Et l'innovation, c'est un autre mot qui, pour le coup, est complètement fourre-tout, puisque ça veut un peu tout et rien dire aujourd'hui. Il y a 1000 définitions à ce mot. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'innovation, justement ? Le terme est devenu omniprésent. Il n'est pas que technique, évidemment. On parle d'innovation éducative, d'innovation publique, managériale, sociale. On parle d'open innovation, parce qu'il faut aussi le dire en anglais. Ce qu'on nous dit, c'est que innover, c'est faire du neuf. Alors c'est une définition, d'ailleurs, qui ne nous avance pas tellement. Et en Europe occidentale, c'est vrai qu'on a eu tendance à rapprocher la notion d'innovation à la notion de progrès. Et c'est vrai que quand on pense au progrès, on a tendance à le penser surtout de façon technologique. Donc si je relis un petit peu les deux, il y aurait une seule voie unique qui serait une innovation poussée par le progrès, qui irait du moins technologique vers le plus technologique et qui, au passage, permettrait d'autres progrès sociaux. Donc voilà, c'est une question qui peut largement se discuter. Et récemment, on a même eu le vocable de disruption qui est apparu dans le langage du numérique, pour ceux qui connaissent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une disruption, c'est une innovation qui mêle à la fois l'esprit entrepreneurial et les ruptures des nouvelles technologies. C'est une innovation qui permet de tout changer le plus rapidement possible, souvent de façon assez brutale. C'est une certaine vision de l'innovation et qui part du principe qu'encore une fois, tous les changements vont arriver, vont naturellement se diffuser dans la société et que tous les ajustements sociaux se feront plus tard, s'ils se font. Donc on est aussi là pour questionner cette vision de l'innovation très européenne, très Silicon Valley. Je pense que là, je ne vous apprends rien. Et ce que ces définitions sous-entendent aussi, c'est qu'il y aurait un sens à l'histoire, finalement. Il y aurait une innovation orientée, avec les pays occidentaux en tête et les autres en retard. Donc c'est la fameuse hiérarchie du développement qui débute avec ce qu'on a appelé les primitifs et puis qui continue avec les pays en voie de développement. Et puis, ces pays en voie de développement devraient suivre le modèle occidental, l'atteindre le plus vite possible et copier un modèle qui éventuellement leur est imposé. Et c'est vrai que quand on regarde l'Afrique, on a plusieurs regards possibles. On peut avoir ce regard occidental, on peut avoir aussi un regard africain. C'est l'objet ce soir. En Afrique, il y a plein d'innovations. Il y a plein d'innovations, par exemple, dans le mobile, dans le paiement. On sait que les infrastructures d'Internet ne sont pas nées du tout de la même manière. Donc on a beaucoup moins de câbles sur Terre. Sous Terre, on en a beaucoup plus dans les airs. On a aussi d'autres initiatives dans l'open source, dans les low-tech. Donc les low-tech, c'est le versant des high-tech concentré sur les technologies à
qui ne sont pas gourmandes en énergie, tout simplement, et aussi des innovations qui sont plus liées justement aux besoins des habitants et des habitantes et qui sont plus en prise avec le réel. On a aussi plus récemment eu le livre de Samir Abdelkrim qui s'appelle Startup Lions et qui parlait pour le coup de 3 ans passés dans différents pays d'Afrique au cœur de l'écosystème tech, au Kenya, au Rwanda, au Sénégal, au Nigeria, au Bénin, en Tunisie, etc. Et il pointe justement un changement de regard sur l'Afrique avec... justement ce constat qu'on serait passé d'une forme de pessimisme à une forme d'optimisme, à tel point qu'aujourd'hui on parle même d'un start-up continent. Mais on risque ici évidemment de retomber dans une définition qui ressemble un peu au problème que je soulevais précédemment. Au-delà de ces disparités et de ces différences de langage et culturel, on a aussi une pensée critique qui émerge en Afrique, une pensée qui est confiante en sa propre parole, capable d'anticiper et de créer des chemins nouveaux à la mesure des défis de notre époque. Ici, je cite Achille Mbembe et Félouine Sarr, qui sont des intellectuels, parmi les nombreux intellectuels africains, qui proposent des modernités alternatives. On entend aussi parfois le vocable de utopie non alignée, et puis plein d'autres termes qu'on va regarder ce soir. On en appelle aussi à une innovation qui serait basée sur les principes de l'Ubuntu, c'est-à-dire consciente que l'homme appartient à quelque chose de plus grand que lui. Une philosophie, cette philosophie de l'Ubuntu, moi je vous encourage vraiment à aller lire ce que c'est, parce que c'est passionnant. Elle percute vraiment et elle stimule notre regard sur l'innovation et sur les nouvelles technologies. On peut faire des technologies autrement en se basant sur d'autres traditions philosophiques séculaires. Donc encore une fois, il n'y a pas une seule voie tracée pour tout le monde. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, d'ailleurs, justement, c'est de parler de ces autres voies, c'est-à-dire non pas de penser l'innovation à travers le prisme occidental, avec un étalon occidental, mais plutôt de montrer que l'Afrique peut produire des imaginaires propres, qui ne sont pas moins légitimes que les imaginaires occidentaux, qui ne sont pas moins universels, d'ailleurs, mais qui n'ont pas forcément vocation à l'être, ils peuvent être aussi locaux. Et pour creuser cette thématique, on est très content de vous proposer une soirée qui va se séparer en plusieurs parties. Pour commencer, on va accueillir Jean Fall qui est là, qui est le fondateur de l'association Cinewax, qui a créé le premier festival en ligne de films africains. Jean qui va venir nous présenter le film Hello Rain. Vous allez voir, c'est très sympa. On va en projeter quelques minutes. Et puis on en profitera ensuite pour rebondir en deuxième partie de soirée sur le débat de ce soir. Donc comment l'Afrique questionne notre innovation. Un débat au cours duquel on aura le très grand plaisir d'accueillir deux personnes, que sont Sinatou Saka, qui est journaliste, chef de projet éditorial chez RFI France 24, et Senami Kofé Agbodjinou, qui est architecte, anthropologue et fondateur du WoLab, dont il nous parlera également. Le tout sera animé par Anne-Charlotte Auriol, qui est membre du Mouton Numérique, et qu'on remercie d'ailleurs beaucoup pour avoir proposé cette thématique qui est très intéressante. Et j'en finis là, je voulais juste vous dire qu'à la suite de ça, on aura un pot qui aura lieu ici, et vous aurez la possibilité de poser vos questions, bien sûr, et puis de discuter avec qui vous voulez. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci. Passez une excellente soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est la première fois que je viens. Je découvre le Mouton Numérique. C'est génial. Je vois que vous êtes nombreux. Et c'est intéressant déjà de voir que vous êtes beaucoup à vous poser ce genre de questions et que nous aussi, on se pose ce genre de questions sur quel est le regard aujourd'hui qu'on peut apporter sur l'Afrique et qu'est-ce que l'Afrique peut nous montrer à travers le cinéma. Donc moi, avant de vous présenter l'association Cinewax et ce que je fais et le festival, je veux d'abord vous montrer la bonne annonce, excusez-moi, du festival Online African Film Festival qu'on a lancé depuis le 15 novembre et qui se termine le 15 décembre. Donc voilà, cette bande annonce que vous venez de voir, c'est le travail de nombreux bénévoles de l'association Cinewax, dont je suis le fondateur. Donc pour vous expliquer rapidement, Cinewax, c'est un projet qui existe depuis 3 ans, depuis 2015, que j'ai fondé, et dont le but est de promouvoir les films africains. Avant d'entrer plus en détail, j'ai une question à vous poser. Qui a vu un film africain en salle, donc c'est-à-dire produit et réalisé par des Africains, cette année au cinéma, en salle? Levez la main. Non, là, il y a de la triche, je te connais. Qui a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? On a de la chance. 7, 8.
Quand je pose cette question, sur une assemblée de 100 personnes, généralement, j'ai 4 ou 5 personnes qui lèvent la main. C'est pour vous montrer à quel point ces films-là, en fait, sont invisibles. Donc, c'est intéressant de voir que le cinéma, c'est quand même un art, le 7e art, qui est censé véhiculer des images, des idées, voilà, des cultures. Ça peut servir à raconter des histoires, des biopics, des passages historiques. Ça peut vous faire rêver. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans le cinéma. Et en fait, quand on s'attaque à l'imaginaire que transmettent les films, on se rend compte que cet imaginaire est très occidentalisé. Et malheureusement, que vous soyez africain ou non, vous n'avez pas forcément la possibilité de voir cet imaginaire africain à travers les films. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire déjà, c'est comment montrer aux gens qu'il y a des filmmakers qui ont du talent, qui sont d'origine africaine et qui font des films qui sont très beaux et qu'on peut voir. Et ensuite, comment permettre aux gens juste d'accéder à leur patrimoine culturel. Donc, je peux peut-être poser une autre question. Qui connaît Sam Ben Ousmane dans la salle ? On a à peu près le même nombre de personnes. Donc, Sam Ben Ousmane, c'est un peu l'équivalent des grands réalisateurs de la Nouvelle Vague. Vous voyez, l'un des premiers réalisateurs sénégalais, on va dire un des pères fondateurs des films africains, avoir fait des films voilà, au Sénégal. Et donc, nous, on veut simplement transmettre cette histoire-là et ces films-là. Donc, le festival Online African Film Festival, c'est la première fois qu'on est capable de montrer des films en ligne dans plusieurs pays en même temps. Nous, ça fait 3 ans qu'on fait des événements. On a fait d'ailleurs un événement ici, c'était super. On a fait plus de 70 événements, 70 séances de cinéma. Mais malheureusement, on ne peut pas ramener 10 000 personnes dans une salle. C'est très peu probable. On s'est inspiré du projet qui s'appelle My French Film Festival. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pose beaucoup de questions, je m'excuse. C'est un festival, tout simplement, de films en ligne, dédié aux films francophones, pour le coup, qui a été fondé par Unifrance. Et aujourd'hui, en 2018, après 8 ans d'existence, ils ont amené 12 millions de spectateurs en ligne. Voilà. Donc on s'est dit, ce serait super si nous, on pouvait aussi amener, peut-être pas tout de suite, mais 12 millions de spectateurs pour voir des films africains et faire comprendre aux gens qu'il y a des talents, qu'il y a des histoires qui sont différentes et qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir des biopics, de blockbusters ou des choses comme on en a souvent l'occasion d'en voir. Sur le thème de l'innovation, c'est intéressant aussi de parler de ça parce que je ne sais pas si vous connaissez la plateforme AfroStream qui a existé très brièvement pendant un an, entre 2016 et 2017. L'idée, c'était de devenir le Netflix africain. Donc, moi, je vous dis tout de suite, on ne veut pas devenir le Netflix africain parce qu'on n'est pas comme Netflix. Et c'est intéressant justement de voir ce modèle parce que le Netflix africain, ce serait donc proposer tous les films africains au monde entier. Mais en fait, il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que si vous voulez montrer des films en Afrique aux Africains, il faut qu'ils puissent voir les films. Mais d'abord, pour voir les films, il faut qu'ils puissent payer la bonne passante. Et nous, on a justement libéré, on a eu les droits des films parce qu'il faut savoir qu'on négocie des droits de films pour qu'ils soient sur la plateforme en ligne. Et en fait, on les a eu pour 15 pays. Et on s'est très vite rendu compte que ce soit au Ghana, au Sénégal, au Nigeria ou d'autres pays, eh bien, en fait, les gens ne pouvaient pas payer l'Internet, avant même si notre prix était bas, ils ne pouvaient pas payer l'Internet pour accéder au film. Donc ce festival, c'est 30 jours, un mois du 15 novembre au 15 décembre, 8 euros pour 30 films. Voilà, c'est abordable. Mais en Afrique, ça devient 3000 francs CFA l'adhésion, plus 2000 francs CFA pour chaque film, parce que c'est 1 giga environ de connexion. Donc, vous voyez que finalement, des gens qui ont moins d'argent que nous payent plus cher que nous pour accéder à ces films-là. Donc, c'est un point qu'on a remarqué et sur lequel on va essayer de travailler pour les prochaines éditions. Mais c'est toujours intéressant de se dire que, voilà, on parle de Africa is now, Africa is the future, on va connecter tous les Africains, on veut leur lancer des nouvelles apps tout le temps, sans prendre en compte les problèmes structurels qui existent réellement aujourd'hui. Il y a une société que j'admire aussi qui s'appelle Iroko TV, qui a trouvé une solution par rapport à ce problème. Ils ont inventé des pylônes, enfin pas des pylônes, mais des bornes de téléchargement de films. C'est-à-dire que c'est entre la vidéothèque et le 3.0. Vous venez avec votre clé USB, vous payez votre film, et vous mettez la clé et vous avez votre film sur clé. Voilà, plus besoin de connexion, on a le film directement avec nous. Et pareil, c'est intéressant de voir que pour le paiement mobile, ils sont très en avance. Je rebondis sur ce que tu as dit parce que voilà, nous, on n'est pas du tout habitués à faire du paiement mobile. Je crois qu'il y a l'application Lydia qui arrive seulement un peu depuis quelques mois.
Et là-bas, voilà, c'est M-Pesa, c'est MTN, c'est Orange Money. Voilà, ce sont des pratiques qui sont déjà intégrées. Donc maintenant, pour en revenir sur le film. Hello Rain, que vous allez voir juste après, c'est un film qui a été fait par C.J. Fieri, qui est un prénom qui est très long à prononcer, donc on dira juste C.J. Et c'est un réalisateur nigérian qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Surreal 16. Donc cette œuvre-là ne peut pas être considérée comme un film de Nollywood. Parce que tout simplement, tous les codes, toute la construction du film, tout ce que vous pouvez voir, est complètement différent de ce que fait, de ce que produit l'industrie Nollywood, c'est-à-dire des films très clichés, avec des paillettes, des stars, la vie peut-être de couple, d'un couple qui a beaucoup d'argent et qui a trop de problèmes d'argent. Voilà, c'est pas ce genre de choses que vous allez voir dans ce film-là. Ça raconte l'histoire de trois amis qui font de la technologie, enfin qui se débrouillent un peu avec la technologie et qui en même temps font de l'alchimie. Et une de ses amies invente un algorithme et transforme en fait des perruques en perruques magiques. Et ça leur donne le pouvoir de changer les choses, de changer le monde, donc changer leur pays, le Nigeria. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que avec tout ce pouvoir, au lieu de l'utiliser pour faire le bien, elle l'utilise pour faire le mal. Donc c'est toute l'histoire, tout ce mythe-là. Et ça vient en fait d'un livre, Hello Moto. Et donc c'est vraiment, vous voyez, c'est un travail artistique qui est complet. Il y a eu une œuvre littéraire, et ensuite il y a eu une reprise par un réalisateur qui a complètement développé l'imaginaire de manière visuelle. Et voilà, c'est très intéressant, on voulait vraiment le montrer aux gens, parce que ça fait partie de ces nouveaux films qu'on ne voit pas du tout, et qui permettent d'aborder l'Afrique, d'aborder déjà le Nigeria, et ensuite d'aborder l'Afrique, à travers un nouvel angle. Donc voilà, on a ça fait partie de la section court-métrage. Il y en a 10. Et il y a aussi 20 longs-métrages. Et au total, il y a 4 catégories. Sélection officielle, documentaire, diaspora et donc short-film. J'aurais dû le dire dès le départ, excusez-moi. Et le thème du festival, c'est donc l'africanité. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'être africain dans le monde d'aujourd'hui? Et pour revenir sur le trailer, vous avez vu plein de références. Alors vous avez vu qu'il y a cette légende-là. Donc là, on ne s'est pas inspiré d'une légende, on l'a inventée. Et c'est important aussi ce point, parce que je pense que vous connaissez tous, dans la musique, des références de notre passé. Peut-être, voilà, Fela Kuti pour l'Afrobeat, dans la littérature, on a aussi des références. Mais dans le cinéma, on ne sait pas qui sont les créateurs. Tout à l'heure, je parlais d'Ousmane Sembène, mais ça peut être d'autres. Hein. Et on s'est dit, c'est intéressant de voir qu'il y a un fossé entre le passé et le présent, pour les films africains. Donc on s'est dit, si on n'a aucune information sur le passé, ça veut dire qu'on peut aussi raconter notre propre histoire et donner envie aux gens de voir ces films-là. Parce qu'il faut vous dire que dire on a 150 films africains, ça mène à rien. Ça ne va pas vous intéresser à voir ces films. Donc l'idée, c'est vraiment de vous amener à travers une histoire, à travers un conte, en respectant la tradition orale du griot, à découvrir les films africains. Voilà, je ne sais pas si je peux dire quelque chose d'autre sur le film Hello Rain, je ne pense pas. Et je vous dis bon visionnage. Et n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook Cinewax, à aller voir le site oaff.cinewax.org. Merci encore pour l'invitation et bonne soirée. C'est très frustrant, mais on ne pourra pas tout passer. L'idée, c'était juste d'avoir un extrait. On vous encourage évidemment à aller sur le site internet pour regarder la suite. Et je laisse du coup la parole à Anne-Charlotte et ses invités. Et surtout, c'est Namé et Sinatou qui sont en train de papoter derrière. Donc la transition ne va pas être évidente, donc on ne va pas en faire, comme ça ce sera mieux. Mais peut-être quand même, ce qui pourrait être pas mal, c'est que nos deux invités réagissent rapidement sur ce qu'ils ont vu, ce qu'on a vu. Il y a peut-être quelque chose au pluriel à dire avant qu'on rentre dans le débat qui nous réunit. Je ne sais pas si l'un ou l'autre ou les deux veulent réagir sur le film. J'étais beaucoup trop absorbée. Je ne sais pas l'effet que ça vous a fait, vous, mais moi, ça m'a transportée assez loin. Et c'est incroyable parce que ce genre de choses, ce n'est pas très...
très très loin. Enfin, c'est un peu de la fiction, mais il y a des choses assez dingues qui se passent quand tu discutes avec des personnes âgées en Afrique. Enfin, ils sont capables de choses impressionnantes. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Black Panther parce que c'est un peu la même idée, un peu futuriste africaine et tout ça. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de voir la suite vu l'effet que ça m'a fait, mais je pense que je vais prendre mon courage à deux mains et regarder quand même. Alors déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Et oui, moi, je suis très curieux de voir comment cette histoire finit. Ok. Bon. Bah, moi, je suis très curieuse de vous entendre. Donc, Sename Kofi a beaucoup de casquettes, dont celle d'anthropologue, d'architecte et de fondateur du WoLab à Lomé, au Togo. Et Sinatou est journaliste et chef de projet éditorial à RFI. Mais il y a une casquette que tu n'as pas mentionnée, René. Parce qu'elle aussi, Sinatou est à l'origine du projet IDEMI Africa, qui est un projet de valorisation des langues africaines sur Internet et qui nous intéresse également particulièrement par rapport à la thématique de ce soir. Donc, Irénée a posé le contexte rapidement, a essayé de définir ce gros mot qu'est l'innovation. Peut-être que pour commencer, moi, j'aurais deux questions. La première, c'est peut-être quelle est votre définition à vous, respectivement, de l'innovation par rapport à ce qu'il a dit et plus globalement. Et l'autre question, c'est plutôt sur le contexte géographique. Bon, nous, au Mouton Numérique, on n'est pas des experts de l'Afrique. Donc, quand il a fallu trouver un titre, on a eu des discussions. Est-ce qu'on dit l'Afrique? Est-ce qu'on dit l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'on dit l'Afrique subsaharienne, etc. Et puis on a mis l'Afrique. Et puis après, quand j'ai vu le profil de LinkedIn de Sinatou, je dis tous les coulisses. Hein. J'ai vu que Sinatou écrivait Afrique avec un S majuscule à la fin. Donc ça veut aussi dire quelque chose. Mais du coup, par rapport à ce terme, déjà ce cadrage, ce périmètre géographique, premièrement, et par rapport à la thématique de l'innovation, est-ce que vous voulez apporter des précisions ou revenir sur quelques éléments? Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, c'est déjà très bien qu'on ait ce débat après, parce qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, enfin, il y avait plein de conférences, de débats, de présentations de l'Afrique qui avance, de start-upers, enfin. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de sortir progressivement de cette période-là. Donc, c'est bien, en tout cas, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, c'est qu'on sort un peu de ça et qu'on va un peu plus loin. Alors, pour moi, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, en fait, en Occident, on parle d'innovation par le progrès. Et moi, j'ai l'impression qu'en Afrique, on parle d'innovation par les besoins, par vraiment de quoi les gens ont besoin sur le terrain. Et c'est de ces besoins-là qu'on crée des nouvelles choses qui peut-être pourront être adaptées ailleurs dans d'autres contextes. Sur la définition de l'innovation, je dirais que, de mon point de vue, c'est l'innovation toujours un surgissement, donc quelque chose de nouveau qui, normalement, crée de la valeur. Donc, civilise le contexte dans lequel, civilise en quelque sorte le contexte dans lequel il émerge. Sur la question du recadrage géographique et des S, alors oui, je trouve ça très sain, toujours. Cette précaution qu'on a vis-à-vis de l'Afrique, est-ce qu'on met un S, est-ce qu'on met pas de S, mais je trouve qu'il ne faut pas non plus être contraint par ça et s'autoriser des fois à être un peu réducteur. C'est nécessaire pour déployer de la pensée dans certaines circonstances. Par contre, je vais questionner le nôtre de votre titre. Comment l'Afrique donc questionne notre innovation, et du coup je me demande si l'Occident lui-même ne devrait pas faire l'objet de cette réflexion. Est-ce qu'il ne faut pas des fois mettre les Occidents, parce que c'est quoi le nôtre? Il y a en ce moment un débat sur le retour des œuvres d'art africaines qui sont prises en charge par les musées français.
Et certaines de ces œuvres ont fait la modernité de l'Occident, ont nourri ce qu'on appelle les avant-gardes. Et est-ce que, à ce moment-là, la modernité occidentale est occidentale? Est-ce qu'il n'y a pas déjà de l'Afrique dans ce qu'on appelle le nôtre ici en Occident? Est-ce qu'il ne faudrait pas voir l'Occident comme une sédimentation où il n'y a pas que de l'occidental, mais il y a déjà eu, par le passé, beaucoup d'influence? En fait, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on entend rarement l'Europe comme on entend l'Afrique assez souvent. Et c'est vrai qu'on a tendance à globaliser ce qui se passe là-bas, alors que c'est vraiment un continent où il se passe différentes choses, où les contextes, chaque pays avec ses spécificités. Enfin, moi, je délimite quand même, je considère qu'il faut quand même, au-delà d'éduquer les gens et de leur apprendre à vraiment parler de pays africains et par du continent de façon globale, même si c'est facile, même pour nous en tant que journalistes, vraiment essayer de séparer les choses. C'est-à-dire que très concrètement, pour moi, l'Afrique du Sud va constituer en lui seul un vrai bloc. Enfin, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est déjà énorme. Ensuite, je considère un peu le Kenya, parce que Kenya, M-Pesa est précurseur sur le paiement mobile, et toute l'Afrique de l'Ouest qui est un peu drainée par le Nigeria, qui est une grosse mégalopole. Donc du coup, il y a tellement de choses différentes, et même dans les petits pays, on a tendance à confondre le Bénin et le Togo, parce que c'est deux petits pays qui se rapprochent. Je regarde Sénam parce qu'il est togolais, que je suis béninoise. Et alors qu'en fait, dans chaque pays, il y a des spécificités. On a beau être voisin, ce qui se passe au Bénin n'est pas du tout ce qui se passe au Togo. Et je pense que même en termes de justesse du propos, quand on parle de numérique, c'est hyper important de différencier les choses. Justement, pour poursuivre là-dessus, donc on a parlé rapidement, il y a eu pas mal d'ouvrages, pas mal d'ouvrages, d'articles récemment sur ces questions-là. Il y a celui de Samir Abdelkrim, Startup Lions, que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui relate ce voyage et cette immersion de 3 ans dans l'écosystème sans S tech africain. Mais du coup, peut-être, pour nous qui ne connaissons pas forcément cette scène de la tech africaine, ce start-up continent, peut-être, ou pas, comment vous le décririez, et aussi comment à quel concept vous le rattacheriez? On a parlé tout à l'heure de certaines typologies d'innovation. Sénamé, par exemple, tu parles d'innovation vernaculaire aussi. Peut-être ça vaudra le coup que tu nous expliques ce que c'est, parce que je ne suis pas sûre qu'on soit tous à l'aise avec le concept. Felwine Sarr a écrit un bouquin qui s'appelle Afrotopia, qui a joué un rôle important dans le projet IDEMI Africa, mais qui joue un rôle important dans la réflexion, cette réflexion critique actuelle. Felwine Sarr, il décrit... Enfin, il parle d'afrotopos, et puis je décris juste parce que c'est aussi des concepts et des notions qui ne sont pas forcément évidentes. Pour lui, l'afrotopia, ce serait une utopie active, qui se donne pour tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et les féconder. Ça, c'est la définition qu'il propose dans son livre. Est-ce que vous voyez des points d'ancrage, de raccrochement entre ce qui peut se passer assez concrètement sur le terrain, sur les terrains, et ces concepts actuels qui émergent ou qui se poursuivent? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je peux commencer. Alors, la question est très, très vaste. Alors, je n'ai pas lu le livre de Samir, donc je vais essayer de ne pas... Je ne vais pas en parler. Je n'ai pas lu Afrotopia non plus, mais ça, j'ai rencontré... Mal, oui, je sais. Vous devrez lire Afrotopia. En fait, tout commence là. Oui. Mais j'ai fait mieux que ça, puisque j'ai discuté longuement avec Felwine il y a quelques jours. On s'est rencontrés. Et donc, bon, ça a quand même piqué ma curiosité. J'ai compris que ce monsieur comptait. Donc, je suis un peu allé voir, plutôt en ligne... ce qu'il y avait, et grosso modo de ce que j'ai compris, c'est que effectivement dans le moment un peu bouleversé qu'on est dans lequel on est aujourd'hui, ce serait peut-être pertinent de mobiliser ce qu'il appelle lui des archives autres, et donc de regarder par exemple aux sagesses africaines,
aux structures sociales africaines pour voir s'il n'y aurait pas là-dedans le potentiel de faire des choses autrement. Effectivement, c'est un peu moins l'intuition que j'ai eue aussi en 2012 quand je me suis embarqué dans cette aventure autour du digital. C'est qu'il m'avait semblé identifier donc dans ce petit monde du numérique une niche incarnée par ce qu'on appelle l'éthique hacker qui me semblait nourrir des proximités avec la société de tradition africaine. Et donc je me suis dit qu'on pourrait faire collaborer ces deux mondes pour développer une nouvelle approche des nouvelles technologies qui impliquerait le maximum des gens et qui ne viendrait pas en quelque sorte rentrer en conflit avec les contextes très, très particuliers qu'on a en Afrique. Et c'est ce que j'appelle de l'innovation vernaculaire. C'est une innovation qui, sans renoncer à tout le pouvoir des nouvelles technologies, est attentif à s'inscrire dans son contexte et à se nourrir de ce que le contexte pourrait avoir de stimulant. Ce que fait Winsar, il dit beaucoup aussi, mais je vous laisserai lire parce que c'est un ouvrage important. Aujourd'hui, en tout cas, et je pense que dans plusieurs années, on continuera à parler de ce bouquin. Ce qu'il dit, c'est que l'Afrique n'a personne à rattraper et que l'Afrique a son propre rythme. Et en gros, par exemple, quand on veut parler d'innovation en Afrique, on va beaucoup comparer les gens, on va beaucoup comparer les personnalités. On va parler du Steve Jobs africain. Je suppose que Sénam a déjà fait l'objet de beaucoup de comparaisons aussi. On ne m'a jamais comparé à Steve Jobs encore, mais je le regrette. On va parler d'Elon Musk africain, on va parler de start-up continent. Et en fait, globalement, l'idée, c'est que l'Afrique n'a pas à être comparée, si on peut dire Afrique, mais bon, disons Afrique, puisque c'est un bon raccourci, Afrique avec un S, vous avez compris, n'a pas à être comparée à d'autres choses, ou en tout cas, même si c'est très facile, je pense qu'il faut faire un effort de précision, n'a pas à être comparée à ce qui se passe ailleurs, mais à être décrite telle qu'elle est, c'est-à-dire une innovation qui, à mon sens, est différente et peut-être doit s'appeler innovation vernaculaire ou peut-être doit s'appeler innovation frugale, mais qui n'existe pas ailleurs puisque les réalités ne sont pas du tout les mêmes, les besoins n'étant pas du tout les mêmes. Moi, je définis trois caractéristiques, mais bon, elles sont appelées à évoluer et à s'enrichir. Je dirais qu'il y a d'abord dans beaucoup d'innovations qui sont propres, en tout cas qui se développent de plus en plus, notamment le WeLab. Ce sont des modèles qui sont beaucoup communautaires, en tout cas, qui sont censés, en tout cas, qui respectent la philosophie d'Ubuntu dont on parlait tout à l'heure, qui sont censés rassembler différents profils, différentes personnalités qui n'ont rien à voir à faire ensemble, mais en tout cas, ce modèle-là implique l'idée de communauté. L'autre chose aussi qui peut caractériser l'innovation en Afrique, c'est qu'elle est, allez, on va dire de façon facile, frugale, c'est-à-dire qu'on fait peu, en tout cas qu'on fait mieux avec moins. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très très important. Ce sera intéressant que Sénam développe très concrètement, en tout cas vous présente ce qu'il fait au WeLab, parce que ça m'a, en tout cas, c'est un exemple très concret de cette innovation-là. Et en fait, en Afrique, la propriété intellectuelle est complètement remise en question. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus favoriser des logiciels libres, l'idée que une création n'appartient pas à quelqu'un et est verrouillée, mais en tout cas est appelée, puisque les gens ont très peu de moyens, on va le dire très concrètement, donc ils n'ont pas... faire une innovation fermée, ça réduirait l'accès à cette innovation-là, et donc la propriété intellectuelle est complètement remise en question dans plusieurs pays africains. Donc pour moi, voilà les quelques caractéristiques de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent et qui n'est pas du tout stable, qui est en train d'évoluer, qui est en train de bouger, qui est en train de se définir encore, et c'est ça qui est incroyable en fait. Bah peut-être que ce qui est bien quand on invite des journalistes, c'est qu'ils s'auto-modèrent, s'auto-gèrent. Et donc, tu as tendu la perche pour aller peut-être... Parce qu'on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant pour nous, finalement,
ce serait qu'on insiste peut-être sur deux projets. Et ça tombe bien, chacun d'entre vous porte des projets qui sont assez différents, mais qui permettent d'éclairer un peu les questions qu'on se pose. Donc, Sinatou, si tu peux revenir tout à l'heure sur le projet d'IDEMI Africa, d'où il vient, où il va et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça. Et donc, comme tu as tendu la perche à ton voisin, peut-être, Sename, revenir sur ce qui se passe à Lomé, qui est donc au Togo et pas au Bénin, et qui irrigue un peu la smart cité, qui est peut-être aussi un concept qu'il faudrait nous expliquer. Ici, on entend beaucoup parler de smart city en bon français. Donc, je vous laisse présenter assez rapidement, mais quand même précisément ces deux projets. Ok, bon, je vais commencer. J'aimerais dire deux mots sur Ubuntu. En fait, Ubuntu, ce qui est intéressant avec Ubuntu, c'est que c'est un concept qui pose la notion d'interdépendance comme le fondement de l'ordre ou de l'ordre du monde. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est une éthique transversale aux sociétés africaines et qu'on peut faire remonter même jusqu'à ce qu'en Égypte ancienne, on appelait la mat. Là, le concept était carrément même déifié. Il y avait une déesse qui portait ce nom. Et cette idée qu'il y a une identité du tout et de la partie désamorce un certain nombre de problèmes. Le Ubuntu et la mat excluent l'avidité. Et donc, c'est ainsi évacué les tentations d'accumulation ou même l'idée de la performance qui sont les fondements du capitalisme. Qui font partie des fondements du capitalisme. Et un peu dans l'esprit, un peu dans le même esprit que Felwine, ce que moi j'avais cru voir et ce que je disais déjà en 2012, c'est que le détour que l'innovation pourrait faire par l'Afrique gagnerait donc justement de s'être imprégné de ce genre de dispositifs qui sont dans nos sagesses, qui ferait qu'ils reviendraient en Occident en prêtant moins de prise ou de territoire au capitalisme. Je pourrais développer après, expliquer dans le détail. Maintenant, pour ce qu'on fait, donc cette éthique, moi, j'essaie de la rendre visible au niveau de la ville. Et donc, on a lancé un projet qu'on appelle Up City, qui est une sorte de critique de la smart city telle que les Africains la voient généralement. Les Africains pensent la smart city systématiquement en termes de villes nouvelles, comme si l'intelligence ne pouvait émerger que dans le nouveau. Donc, on va construire des nouvelles villes qui seront smart. La smart city est prescrite d'en haut, elle est occidentale, c'est Google, Microsoft, etc., qui fournissent des technologies pour faire des smart cities africaines, etc. Et donc, ce que je disais, c'est que les technologies étaient suffisamment démocratisées aujourd'hui pour qu'on imagine que les citadins eux-mêmes se mettent en capacité de produire la smart city, qu'on pouvait produire de la smart city par la base si on créait les conditions. Et ces conditions, ce serait d'avoir, dans l'optique qui est la nôtre, Epcité, un lieu ressource dans chaque quartier pratiquement. Et ce réseau de lieux qui aurait vocation à lancer des projets qui transforment le quartier accueillerait gratuitement les populations environnantes, les initierait et les mettrait en capacité donc d'adresser eux-mêmes les problématiques qui sont la gestion des déchets, la mobilité, la disponibilité des ressources, etc., etc. Et on modélisait ce type de lieu en s'inspirant d'un signal qui existe dans les sociétés traditionnelles africaines, qui est l'enclos d'initiation. L'enclos d'initiation, c'est le lieu dans le rythme villageois où on met des jeunes ensemble pour les forcer à partager. On identifie le potentiel de chacun, on les oriente dans la ville, on leur transmet une connaissance globale, etc., etc. Et ce que je disais, c'est que si l'enclos d'initiation avait perduré, le village africain était devenu ville, et bien, les enclos d'initiation auraient la même fonction que des incubateurs ou des Fab Labs aujourd'hui, et qu'on pouvait se saisir des incubateurs, des Fab Labs, et les traiter comme des enclos d'initiation qui recréeraient des conditions du village dans la ville africaine. Merci.
Peut-être pour rebondir là-dessus, c'est du coup, il y a un modèle aussi derrière, parce qu'il y a une ambition à l'échelle de la ville. Du point de vue économique, quels sont les principes qui sous-tendent ce projet-là? Et puis, peut-être, quelles ont été les difficultés? Parce que j'imagine que... Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit facile de faire ça. Et que, voilà, comment ça s'est passé concrètement, le déploiement de ces lieux? Aujourd'hui, il y a plusieurs lieux dans la ville. Il y a deux espaces qui ont été créés dans le territoire upcité, donc deux labs, WELLAB 0 et WELLAB Prime, qui sont les deux premiers labs du réseau upcité. C'est deux lieux de 650 mètres carrés chacun. À deux, on est le plus gros tech hub de la sous-région aujourd'hui. Et c'est donc des lieux ouverts où des jeunes développent en communauté des projets qui doivent impacter le cadre de vie. Chaque lab doit transformer le rayon d'un ou de deux kilomètres autour. Et si la solution est pertinente, elle peut être reprise par un autre lab du réseau et on essaime ainsi dans la ville avec des solutions qui sont vraiment testées dans la proximité. Donc on a une trentaine de jeunes à peu près par communauté, on a une dizaine de projets qui sont devenus des start-up. Et donc là, on se saisit de la culture start-up pour doper un peu les projets, parce que la start-up, c'est ce qui scale, c'est ce qui permet à une solution de se retrouver rapidement entre toutes les mains. Et les start-up permettent d'implémenter des solutions plus rapidement, de notre point de vue, que des décisions d'État. Et donc, le modèle économique, ce serait hein, sur le papier que les projets les plus intéressants deviennent donc des start-up et financent la communauté. C'est tous des projets un peu dans ce qu'on pourrait appeler la sharing economy, sauf qu'on met en place des garde-fous pour éviter les Uber-like. Toutes les start-up sont possédées par l'ensemble de la communauté. Il n'y a pas de chef d'entreprise et donc la trentaine de jeunes de la communauté décident pour chacune des start-up et la richesse est censée être redistribuée sur le groupe. Donc c'est très idéal, mais là je vous dis ce qui est sur le papier. Après, sur le terrain, effectivement, il y a des difficultés. La première est dans la mentalité, parce que tout ce projet prenait le pari que l'idée de faire travailler les gens ensemble, de collaborer, que l'individu n'existe qu'à l'intérieur d'un groupe, donc Ubuntu, n'est plus trop le partage des jeunes citadins africains. Ça marche dans les villages, mais les jeunes africains des grandes villes sont des occidentaux. Ils ne sont pas spontanément portés à partager, donc il y a beaucoup à faire pour que cet esprit village soit de façon un peu artificielle recréé dans la ville. La deuxième difficulté est que nous avons voulu autofinancer tout cela. Et ça fait 6 ans qu'on existe, on est toujours autofinancé. Donc on atteint une limite aujourd'hui où il faudrait qu'on ait de la ressource pour vraiment avoir les moyens de nos ambitions. Bon, du coup, comment on peut faire sans transition? On fait sans transition et après on va creuser et discuter un peu des choses que tu as pu évoquer, de celles que tu vas évoquer. Donc toi, ton projet, il n'a rien à voir. Non, rien du tout, malheureusement, mais je suis très très intéressée, bien sûr. Alors en fait, IDEMI Africa est née il y a quelques mois déjà. Le but, en fait, c'était de toujours dans la lignée de Felwinsar et donc d'Afrotopia, de dire que l'Afrique aussi, l'Afrique avec un S, avait quelque chose à apporter à l'humanité. Au lieu de toujours reprendre ce qui venait d'ailleurs, et aussi avait quelque chose à apporter en termes de connaissances et de savoir aussi. Et donc du coup, moi je suis très, enfin je suis toujours sur Internet, je suis hyper, enfin je me questionne beaucoup sur ce qui se passe sur Internet. Je considère que Internet pour moi est un espace politique et qu'il se joue des choses importantes de notre temps sur Internet. Autour de moi, j'ai plein de gens qui me disaient Internet va devenir la mémoire du monde. Et en fait, le problème, c'est qu'en Afrique, on a près de 2000 langues africaines. Et ces langues-là, ce n'est pas juste des mots qu'on échange. C'est des langues qui renferment aussi des savoirs, des cultures, des traditions, des valeurs, énormément de choses. Par exemple, moi, concrètement, quand je suis en colère et que je veux insulter Senam, je ne vais pas l'insulter, mais ce sera en Yoruba, par exemple. Parce que c'est comme ça que ça me vient.
Et donc, du coup, l'idée, c'était de dire qu'aujourd'hui, sur Internet, il y avait un problème, un vrai problème. 80% du contenu existe dans 10 langues, qui sont toutes des langues occidentales, et donc des langues des pays riches et donc développés. Et donc, du coup, qu'aucune langue africaine n'existait concrètement. Il y avait très, très peu de références, même s'il y en a quelques-unes. Donc, du coup, j'ai écrit tout est parti d'un billet de blog qui voulait être un peu mon coup de gueule. Ensuite, il y a eu plein de réactions après ce billet de blog. Et donc, des gens se sont dit, bon, bah, essayons de faire quelque chose ensemble. Donc, on s'est rassemblés. Et on a décidé tous ensemble de se mettre en collectif. L'idée du collectif nous semblait beaucoup plus juste parce qu'on n'avait pas du tout, une fois encore, envie d'avoir une hiérarchisation ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment dans cet esprit de faire les choses ensemble, de se mettre ensemble, de pas faire quelque chose de vertical, mais vraiment horizontal. Donc on a lancé le collectif IDEMI Africa. Alors IDEMI, juste petite explication, en fait ça vient de EDEMI, qui veut dire ma langue en yoruba. Et donc, du coup, le but, c'était d'une part de rendre visible l'existant, parce qu'il y a quelques références en langue africaine en ligne. Ensuite, l'autre chose aussi, c'était de pouvoir encourager les créateurs de logiciels et d'applications à créer ces logiciels-là dans des langues africaines pour qu'elles soient accessibles aux populations qui ne comprennent pas ni le français ni l'anglais, qu'elles puissent par exemple pouvoir se repérer dans une ville quand elles ont besoin d'informations, en tout cas de créer des services, des applications très basiques qui existent dans d'autres langues mais qui n'existent malheureusement pas dans les langues africaines. Donc de permettre à ces populations-là aussi d'accéder à la technologie, parce que pour nous, c'était problématique que toutes ces populations-là, en fait, n'arrivent pas du tout, n'aient pas accès à tout ce qui existe en termes de contenu et d'informations et de savoir aujourd'hui sur Internet. Donc c'était ça le deuxième objectif. Et le troisième objectif, enfin, c'était de produire du contenu. Donc on est à la recherche de linguistes, de toutes les personnes, de traducteurs, en tout cas toutes les personnes qui souhaiteraient justement combler ce gap-là, qui est 80% 20 pour toutes les autres langues. Donc il n'y a pas que les langues africaines, mais il y a aussi beaucoup d'autres langues d'Amérique du Sud notamment. Et donc du coup, le but, c'était aussi de pouvoir produire du contenu massivement pour essayer, alors on sait qu'on va pas y arriver, mais en tout cas booster la présence de ces langues-là sur Internet, parce qu'elles renferment énormément de choses, énormément de savoir que d'autres personnes aussi ont besoin de connaître. Donc voilà, c'était un peu ça l'objectif d'IDEMI Africa. Du coup, par rapport à la présence de ces langues sur Internet, est-ce que, et le projet, pouvoir accéder à des ressources ou des infos dans sa langue, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de s'approprier le numérique et aussi d'exister sur cet espace-là, qui est plus, on ne peut plus trop faire la distinction virtuelle et dans la vraie vie, comme on disait, mais en termes d'appropriation et d'existence sur un espace politique aussi. Est-ce que c'est ça fait partie de votre démarche? Alors oui, complètement, parce que moi j'ai fait un petit test, j'étais au Bénin il y a une semaine et du coup j'ai essayé d'aller voir un de mes oncles au village et je lui ai un peu, j'ai utilisé. Il y a des applications qui existent en langue africaine, hein. Bon, elles ne sont pas connues malheureusement, mais il y en a quelques-unes. Et en fait ce que j'ai remarqué, c'est que quand il utilise une application qu'il ne connaît pas, et quand il utilise une autre application donc, qui existe en langue africaine, il y a comme un sentiment de complexe, c'est-à-dire que vu que ce n'est pas dans sa langue, bah, du coup, il se sent tout de suite inférieur par rapport à cet outil-là. Et c'est aussi pour ça le but de créer des outils technologiques dans leur langue africaine. Bah, en fait, ils se disent, on est aussi important, enfin, on a aussi les moyens d'imaginer ce genre de choses. Ce n'est pas juste les autres qui nous offrent quelque chose et en plus c'est inaccessible. Donc oui, complètement,
disposer d'applications dans les langues africaines, ça casse des barrières et ça leur permet aussi de se dire, tiens, moi aussi j'ai quelque chose à vendre, moi aussi j'ai quelque chose à montrer, moi aussi j'ai quelque chose à dire, donc moi aussi je peux occuper cet espace qui est au-delà des outils très techniques et qu'on peut avoir sur Internet. C'est aussi un espace d'expression. Et ces personnes-là, malheureusement, ne peuvent pas avoir cet espace d'expression parce qu'elles ne comprennent pas les langues majoritaires. L'autre chose aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits. C'est-à-dire que Google, par exemple, essaye de faire des efforts sur le Swahili parce que c'est la langue africaine la plus parlée. Mais à IDEMI, nous, on dit qu'en fait, c'est parce que le Swahili, il y a un enjeu économique derrière. Et malheureusement, il y a aussi, par exemple, au Bénin, on parle le fond. Ben, en fait, Google ne va jamais s'intéresser au fond, même si nous, on va s'y intéresser parce que ben, c'est une petite partie des gens qui ne comptent pas financièrement pour ces gros groupe là. Donc du coup l'idée c'est aussi de dire bah en fait pour nous ce qui est important c'est pas l'intérêt économique, c'est pas le court terme, mais c'est d'inclure les gens, voilà. Bah tu parles de Google, donc parlons de Google. On va faire le point Google comme tout bon débat sur le numérique qui se respecte. Tout à l'heure, on parlait de la scalabilité, du fait que voilà, si on veut que les projets, par exemple, qui naissent au WeLab ou dans d'autres lieux d'innovation en Afrique ou ailleurs, puissent grandir, passer à l'échelle, à un moment, il y a aussi des gens qui doivent investir dans ces projets-là, mettre de l'argent. Est-ce que, par rapport à ce que vous observez, ce que vous faites, on n'a pas un risque de dilution ou de retomber justement dans l'escarcelle de Google ou autres GAFAM à ce moment-là? Est-ce que finalement, si on se dit, OK, là on a un super projet qui vaudrait le coup de bénéficier à d'autres personnes, est-ce qu'on n'a pas le risque que ce projet se fasse récupérer par un gros acteur, Google ou autre? Je ne sais pas, on a parlé plusieurs fois de M-Pesa, qui est donc un système de paiement par mobile qui a connu un succès assez fou. Donc peut-être, c'est quoi, qui porte M-Pesa? Comment ça a pu se développer autant? Est-ce qu'ils ont réussi à passer à côté de gros investisseurs et c'est un projet complètement positif et génial et communautaire et tout ça? Comment on peut passer à l'échelle sans se diluer ou perdre ou vendre son âme? Est-ce qu'on y arrive? Tu veux faire le point MPSA? Je pense qu'on... ouais, c'est un travail qui mérite d'être fait, savoir qui est derrière MPSA. Et quoi que vous découvriez, ça n'enlève rien au fait que MPSA a prouvé, enfin, a montré qu'il y avait des nouvelles possibilités dans ce qu'on appelle l'innovation en Afrique. Donc, ça a valorisé ce qu'on appelle le mobile banking, et de ce point de vue-là, a montré que l'Afrique pouvait être à l'avant-garde de quelque chose dans tout ce discours en termes d'innovation. Après, la question de la récupération, mais ces grosses entreprises n'existent que ne sont mues que par le désir d'être toujours plus grand. Donc, elles viendront à vous si vous avez un intérêt pour elles. Et donc, être récupéré ou pas, c'est à l'appréciation du porteur de projet. Si vous inscrivez votre projet dans une vision, vous résisterez. Si ce n'est qu'une start-up, si ça n'a de start-up africain que le fait que c'est en Afrique, bah, vous fonctionnerez dans la culture start-up standard, et ça fait partie effectivement du destin d'une start-up d'être, si c'est la stratégie, récupérée, rachetée, etc. etc. Alors on va faire un petit point MPSA. Alors MPSA a répondu à un besoin
Comme tu l'as dit, en fait, au Kenya, il y a très, très peu de gens qui ont accès aux services bancaires. Donc, M-Pesa est venu, a répondu à un besoin et a cartonné, et c'est très bien. Et moi, j'étais au Kenya, j'étais impressionnée, émerveillée par la petite dame du boui-boui du coin qui me demande si j'ai un compte M-Pesa. Enfin, je trouve ça génial. Il y a une telle inclusion financière qui est fascinante. Enfin, franchement, ça m'a vraiment émerveillée. Après, le problème aujourd'hui, c'est que tous les pays africains veulent faire M-Pesa. Bon. Et donc, c'est un peu compliqué parce que ça ne peut pas avoir le même succès. Dans certains pays, ça marche. Enfin, quand tu vois les millions qui circulent par jour au Bénin, par exemple, via le mobile money de MTN ou Flouze de Move, c'est hyper important. Enfin, tout le monde utilise ces services-là. Après, quand je reviens à M-Pesa, qui est quand même l'exemple parfait et donc le premier qui a même inspiré Orange à lancer sa banque en France, on verra comment ça marche. C'était dans un contexte particulier. Donc, une fois encore, ça a répondu à un besoin. La deuxième chose, c'était que ça a été lancé par un opérateur qui avait le monopole sur place en termes de clients. Et donc, oui, c'est un peu plus facile pour lui de déployer un certain nombre de choses. Mais d'abord, je rappelle que c'était le besoin. L'autre chose aussi, c'est que moi, en qualité de journaliste, forcément, je vais creuser un peu. Et c'est aussi le problème de d'autres exemples de start-up en Afrique. J'aime pas trop ce mot, mais bon, disons start-up. Je ne sais pas si c'est vraiment des start-up. Enfin, je ne sais pas si c'est des start-up vu la définition que les Américains donne au terme start-up. Mais bref, en fait, M-Pesa a été lancé par Safaricom, je pense. Et en fait, c'est des gens qui ne sont... Enfin, dans le board, il n'y a pas que des Africains. C'est-à-dire que l'argent va aller à une grande structure internationale. Bon, on peut toujours questionner ça. On peut toujours questionner le fait que la plupart des grandes entreprises dans le numérique qui existent aujourd'hui sur le continent sont plus ou moins possédées par des étrangers. Bon, c'est quelque chose à questionner, mais ça ne remet pas du tout en question le bien fondé ou l'intérêt, en tout cas, du service. Mais bien sûr, vous comprenez avec moi que quand le service est développé par un entrepreneur local qui paye des impôts localement, qui est vraiment ancré sur le terrain, bah forcément, ça n'a pas du tout le même impact, même si ça a un impact. Voilà. Et donc, tu n'aimes pas le mot de start-up ? En fait, c'est devenu un fourre-tout. C'est pas que j'aime pas vraiment, mais c'est vraiment devenu un fourre-tout. C'est-à-dire que surtout sur le continent, toutes les jeunes entreprises aujourd'hui disent qu'elles sont des start-up. C'est un terme à la mode, quoi. Et donc du coup, vu qu'elles disent tous qu'elles sont des start-up, ben, en fait, on ne sait plus qui est start-up ou pas. Est-ce qu'elles comprennent que c'est une jeune entreprise qui est en train de chercher son modèle économique et donc qui n'est pas encore complètement stable ? Je ne pense pas. C'est juste devenu un effet de mode. Et moi, ça me gêne aussi parce que derrière, ça fait référence que pour fonctionner, pour cartonner, faut s'appeler start-up, quoi. Mais les médias y participent aussi. Hein, les médias participent à l'idée que pour cartonner, il faut être une start-up. Et donc, elles vont vraiment se dire ça sans aller plus loin que ce que veut vraiment dire ce terme-là. Tu veux rajouter quelque chose sur ça ? Oui. Deux trucs rapidement. Donc effectivement, il y a une sorte de brouhaha en ce moment, depuis un moment déjà en Afrique, autour de cette question d'innovation qui ne permet pas, en quelque sorte, aux vraies choses qui ont du sens de se développer, parce qu'ils sont noyés dans des accidents, dans des choses qui, noyées parmi d'autres choses qui plaignent effectivement essentiellement aux médias. Et moi, l'expérience que j'ai avec WeLab, c'est une découverte que j'ai qui m'a beaucoup choqué, c'est que, en fait, globalement, le média n'a pas vocation à restituer le réel, en fait. Le média, l'information, c'est un produit aussi.
et on le fabrique, on l'arrange de sorte à ce qu'il plaise à la ménagère. À quel âge elle a la ménagère qui regarde la télé? 35 ans, je crois. Ménagère de 35 ans. Je suis obligée de réagir à ça. donc le tout ce truc autour de l'innovation en Afrique fait l'objet de design. Et il y a des gens qui arrivent, qui n'écoutent qu'eux-mêmes. Vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez. Ils vont vous dire non, ça n'intéresse pas la ménagère. Donc nous, on cherche un Steve Jobs des dépotoirs, un garçon génial qui fouille les dépotoirs pour fabriquer des machines extraordinaires. On croirait qu'il y a des Elon Musk partout. Il y a un dépotoir, il y a un Elon Musk en puissance. Il y a des Silicon Valley cachés derrière les buissons, etc., etc. Donc tout ça fait que il y a un, moi j'appelle ça un brouhaha qui ne traduit que quelque chose qui, grosso modo, en fait, n'est qu'un nouvel exotisme. C'est l'exotisme technologique avec de nouveaux explorateurs qui sont des blogueurs, des journalistes qui vont sur le terrain, qui parcourent le continent et qui développent toute une narration sur le continent qui va demain transformer le monde. Je suis obligée de réagir. Ça ne devrait pas l'être parce que l'information n'est pas censée être fabriquée ou en tout cas déformer le réel. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de fantasme. Je dirais plus ça, en fait. Je dirais que les journalistes en fait, développent une forme de fantasme sur le continent africain. Sur certains pays en particulier, qui fait que quand ils arrivent sur place, ben en fait, ils ont déjà des choses précises qu'ils ont envie de voir. Et donc, du coup, ils le voient. Donc, du coup, c'est problématique parce qu'on va montrer une Afrique qui est en train de faire des choses incroyables. Donc, on va rentrer dans un afro-optimisme béat. Et on va oublier qu'en fait, il y a une lucidité à avoir et que les choses sur place sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça. Donc oui, il y a une... Voilà, l'Afrique fait l'objet de fantasmes aujourd'hui, mais ça ne devrait pas l'être. Après, si je peux défendre un peu les journalistes quand même, puisque je suis là, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tellement parlé de l'Afrique en termes de misère, que le public aussi a envie d'entendre ces histoires-là, ces belles histoires-là. On a tellement pendant des années montrer une Afrique où il y avait un enfant avec un gros ventre qui avait du mal, qu'aujourd'hui le public, même inconsciemment, a besoin de croire qu'il se passe quelque chose de fou sur ce continent-là. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose de fou? Je pense qu'il y a des choses qui se passent déjà, ça c'est sûr, des choses différentes qui se passent d'ici. Est-ce que c'est dingue et ça va révolutionner le monde? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles peuvent permettre à d'autres continents de développer des nouvelles choses, de pouvoir créer des nouvelles utopies. Voilà. Mais quand tu dis le public a besoin de croire, est-ce que il n'y a pas des gens, des structures qui ont besoin de faire croire que les start-up vont régler des problèmes systémiques en Afrique ou pas que? Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup depuis, je ne suis pas depuis aussi longtemps que toi le sujet, mais on entend quand même beaucoup ce discours sur l'importance du privé. Et donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à clarifier, parce qu'une association, une start-up, une entreprise sociale, quel que soit le statut, ce n'est pas non plus exactement la même chose. Mais il y a quand même cette idée que, oui, le privé, le marché doit se saisir des enjeux, parce que ces enjeux, ils sont tellement graves, tellement importants, que les États sont tellement défaillants, que les infrastructures n'existent tellement pas, qu'il faut le faire à la place de la puissance publique ou des puissances publiques. Et est-ce que cet imaginaire-là, qui n'a pas grand-chose à envier à la Silicon Valley a priori, est-ce que c'est aussi un imaginaire dans lequel on a envie de se projeter? Est-ce que le start-up continent, ce n'est pas une start-up nation plus, avec finalement peu de liens avec
l'éthique et la philosophie de l'Ubuntu, ou tout ce que vous avez pu dire sur la communauté, le faire ensemble, etc. Est-ce que voilà, c'est le public, ou est-ce que derrière ça, il n'y a pas quelque chose de plus insidieux, peut-être, et des gens qui ont intérêt aussi à faire croire que les startups vont nous sauver ? Et auquel cas, c'est vrai qu'on a relativement les mêmes problématiques en Afrique et ici. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, le lendemain, j'ai eu un coup de fil de RFI qui me demandait de réagir comme personnalité internationale sur l'élection d'Emmanuel Macron. Et j'avais fait à l'époque, et je suis très fier de l'avoir fait, j'avais esquissé une critique de toute cette idée autour de la Startup Nation pour dire que ça ne me semblait pas être la bonne chose pour la France aujourd'hui, et que la France avait plutôt besoin de retourner à de la France, mais que Macron ferait un très bon président africain. Par contre, l'idée de la start-up en Afrique, par contre, me faisait penser que ça pouvait marcher. Alors pourquoi ? Alors moi, je ne prends pas tout le package start-up. J'essaie de voir en quoi il marche avec nos réalités, et même voir comment nos réalités peuvent civiliser cette culture. C'est ça l'approche qui est la nôtre. Alors une start-up, de mon point de vue, ce n'est qu'une solution qui est la meilleure possible à un problème. Et parce que c'est la solution qui répond au mieux à un problème, elle est adoptée par tout le monde rapidement. Voilà. Et elle utilise les médiations, les nouvelles technologies, etc., pour diffuser. Mais en fait, la start-up gagne de l'argent parce qu'elle crée de la valeur en réglant un problème, et les gens lui manifestent de la reconnaissance. Et si un start-upper devient millionnaire, c'est presque à son corps défendant. Son compte en banque augmente, les chiffres augmentent sur son compte, parce qu'il règle des problèmes pour de plus en plus de personnes. Et d'ailleurs, même dans la Silicon Valley, ces gamins qui ont 19, 20 ans pensent pareil. Ils sont vraiment persuadés de ne pas être de méchants capitalistes et de n'être que des gamins qui, parce qu'ils sont géniaux, arrivent à régler des problèmes. Et d'ailleurs, ils le disent, ils veulent rendre le monde un meilleur endroit, etc. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. L'idée qu'une solution, qu'il puisse y avoir une culture où une solution est adoptée, et à mesure qu'elle prouve qu'elle est efficace et adoptée par plus de personnes, et que ça permette de monétiser d'une façon ou d'une autre, je trouvais ça intéressant, et surtout je trouvais que ça ne nous sortait pas de nos réalités. Si je prends un village africain, si vous avez une maison dans ce village qui règle des problèmes pour tout le village, c'est normal que des gens du village viennent balayer devant cette maison. C'est normal que les gens apportent de l'eau à cette maison, etc., etc. Donc je ne vois pas dans la culture start-up quelque chose, je ne la lie pas au capitalisme. J'exclus ce qui fait la dérive du capitalisme, c'est-à-dire la tentation d'accumuler le tiers, la monnaie, l'argent. Enfin, il y a quelques dispositifs dont, si on arrive à évacuer la culture start-up, elle pourrait devenir quelque chose de vertueuse et fonctionner de façon organique dans l'esprit de ce qui se passe dans les sociétés africaines. C'est intéressant. En fait, je ne sais pas si on peut parler de start-up continent. Enfin, moi, tous ces termes me dérangent, mais start-up continent, comme je disais tout à l'heure, Steve Jobs africain, coller des termes qui existent ailleurs de façon très simple, comme ça, à l'Afrique, ça me dérange. Mais bon. Donc, du coup, je sais pas. Je me questionne. Je sais pas si on peut parler de start-up continent. Je pense qu'il y a, comme tu dis, des choses nouvelles qui se créent, qu'on peut s'inspirer de cette culture-là. Mais bon, pour moi, ça reste encore... c'est pas encore totalement clair, mais... C'est compliqué de parler de start-up continent. Après, tu disais tout à l'heure quelque chose de très intéressant, c'est à qui ça profite. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Ce discours ambiant qui est de dire qu'en Afrique, il se passe des choses incroyables et que c'est vraiment le continent de l'avenir. Bon, c'est pas vraiment c'est là que ça se passe, hein, c'est pas demain que ça se passe.
Et donc, tous ces gros titres-là, à qui ça profite? C'est une très, très bonne question que moi aussi, je me suis posée avec le recul et surtout en lisant Afrotopia. C'est l'Afrique, aujourd'hui, fait l'objet d'intérêts économiques importants. De mon point de vue, il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que finalement, on a aussi besoin, en tout cas les entrepreneurs africains, béninois spécifiquement, puisque c'est le pays que je connais le mieux, mais je pense que c'est le cas dans d'autres pays aussi. J'évite de parler de l'Afrique et de parler de pays, parce que le terme « espère africain », pour moi, il n'y a pas d'espère africain. En vrai, on maîtrise bien un sujet, un pays, mais parler globalement toujours de l'Afrique, ça me pose un problème. Donc, ne vous frustrez pas si je parle du Bénin, si je ne fais pas une fixette sur le Bénin. Mais en tout cas, c'est l'exemple que je connais le mieux. Nos entrepreneurs béninois ont aussi besoin d'argent. Enfin, on ne va pas se mentir, on a besoin de cash et il y a encore d'énormes fossés entre les investissements faits sur le continent depuis des années. Il y a énormément de besoins, c'est-à-dire que nos économies ont besoin de liquidités pour tourner. Après, aujourd'hui, le problème, donc ça c'est l'avantage et c'est très bien qu'il y ait un intérêt. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blabla sans vraiment d'action. Les gens se rassemblent, ils vont dire l'Afrique c'est le continent de demain, mais en fait très peu vont mettre la main à la poche et aller donner à des vrais projets qui ont du sens. Ils vont donner à des projets à court terme. Donc le problème, c'est pas faire l'objet d'intérêts économiques. Vu d'où on vient, honnêtement, je vais pas cracher là-dessus, quoi. On vient de très très loin et honnêtement, on a besoin. Quand tu discutes avec les entrepreneurs africains, ils ont beau avoir des idées incroyables, à un moment, ils se posent un problème de. Mais Sinatou, j'ai pas les moyens de faire ça et moi, je suis frustrée parce que je me dis, mais cette innovation là. Elle a besoin de croître et malheureusement, pour des questions d'argent, il peut pas y arriver. Donc voilà, c'est important de dire ça. Après, une fois que j'ai dit les bons côtés de ce discours-là, c'est vrai que le discours qui est de dire l'Afrique est le continent de l'avenir alimente aussi beaucoup de rêves, en fait, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les médias, mais bon, le terme « média » ne veut pas dire grand-chose non plus, puisqu'on ne travaille pas du tout de la même façon. Mais on va le dire comme ça, en fait, alimente l'idée que il y a aujourd'hui, quand tu investis en Afrique, tu prends des risques. Hein. Mine de rien, ça ne veut pas dire que ton projet va exceller. Il y a encore tellement de problèmes dans les habitudes, dans les entreprises créées, que il y a beaucoup d'investisseurs qui, pour moi, sont vraiment courageux d'investir dans des projets pas sur du court terme, mais plutôt sur du long terme. Donc, d'une part, il y a ce discours-là qui alimente le rêve, c'est-à-dire que certains ont besoin que les médias écrivent ça pour avoir plus d'argent. Alors que en fait c'est que du vent, c'est que des scams. C'est-à-dire que moi j'ai vu depuis 4 ans que je suis à RFI, il y a eu beaucoup de. Alors les scams en fait, c'est les entreprises qui sont pas très, vendent beaucoup de rêves. C'est-à-dire qu'elles vont dire qu'elles règlent ce problème-là. Sauf que quand tu vas sur place, en fait personne ne les connaît et voilà. Donc ça, enfin. Il n'y a qu'un seul employé, par exemple, alors qu'il a levé plein de fonds. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a ce type d'entreprise-là et même des grandes entreprises qui, pour toujours attirer des investisseurs dans des projets qui, pour moi, n'ont pas vraiment de sens ou en tout cas ne sont pas prioritaires, vont encourager les articles de presse et tout ça. Donc ça, c'est un peu le défaut de la chose. Après, derrière, on ne va pas se mentir, les Africains, en tout cas, plusieurs entrepreneurs béninois, africains en général, ils ont aussi besoin d'investissements financiers. Une fois, enfin, si les investisseurs
franchissent le pas, parce qu'il y a beaucoup qui profitent de cette mode-là pour faire leur publicité, pour faire leur communication, pour alimenter quelque chose sans vraiment franchir le pas et aller réellement investir sur place, alors qu'il y a des vrais projets qui ont du sens, qui malheureusement, vu qu'elles n'ont pas de visibilité, donc elles ne font pas partir de la mode, ben, en fait, ont du mal à grandir. Là-dessus, je n'avais pas répondu à la question tout à l'heure. Effectivement, tout ce discours autour de l'Afrique a une dimension sponsorisée. Et le capitalisme a identifié l'Afrique comme un nouveau territoire qui pourrait lui permettre de se survivre. Parce que démographie, la population va doubler d'ici 2050, un humain sur quatre sera africain. Pour Google et Facebook, c'est des milliards de personnes à connecter. C'est encore des ressources presque infinies. On parle de taux de croissance qui n'arrête pas de monter. Donc, on lorgne à l'Afrique. Mais souvent, le capitalisme est très subtil. En fait, il produit sa propre critique, vous la fait adopter et la digère et se renouvelle à travers sa propre critique. C'est ce qu'on appelle la critique artiste. Qui est en conflit avec la vraie critique qui devrait être la critique sociale. Cette chose-là marche bien ici, en Occident, parce que les structures elles-mêmes sont favorables à la culture artiste. Donc on peut s'emboucher dans des trucs et y trouver et être confortable et penser qu'on est marginal et sans le savoir se laisser récupérer par le capitalisme. Ce que moi je dis, c'est que si le capitalisme vient à l'Afrique avec cette stratégie de produire une critique artiste basée sur le fait que l'innovation frugale, c'est beau, on va faire moins, etc., etc., et grosso modo récupérer la chose, il y a un moyen de piéger le capitaliste. Et ce moyen-là, c'est que les structures africaines ne sont pas des structures occidentales. Vous n'allez pas venir avec quelque chose qui va juste nous vendre moins d'ennuis, fun, etc., et que ça va marcher. Il y a des vraies urgences qui font que la question sociale va peut-être cristalliser la critique et va en faire quelque chose qui, effectivement, renverse en quelque sorte le capitalisme. Mais ce piège-là se construit. Il faut qu'il y ait des gens qui sont conscients et qui le mettent en place. Ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'on a plutôt des explorateurs de l'exotisme technologique qui, eux, ne font que noyer des signaux qui, eux, sont intéressants, qui mettent en place ce piège dans des choses qui ne font de l'Afrique que le futur prolongement de cet esprit capitaliste. C'est une belle conclusion, non ? Une pré-conclusion, parce qu'on va prendre des questions. Je vais faire une Jean Folle, mais tout à l'heure, il vous a posé une question, enfin plusieurs questions. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous connaissent l'autrice nigériane Chimamanda Adichie ? Oui, on opine du chef, on lève la main. Chimamanda Adichie, c'est donc une autrice nigériane qui disait il y a quelques années dans une conférence qu'elle a donnée que le danger c'était d'avoir une seule histoire. Et quand on a préparé ce débat, c'est aussi ce qu'on... On se disait que c'est un peu ce qu'il fallait creuser et que questionner l'innovation de l'Afrique, c'était aussi essayer d'avoir plusieurs histoires, d'accepter, d'assumer le fait qu'il y avait plusieurs innovations. Peut-être qu'il y avait aussi des innovations qui ne nous toucheraient pas ici en Occident et que ce n'était peut-être pas grave. Ça re-questionne aussi ces innovations plurielles, le monde globalisé ou multipolaire. Mais dans ce que vous pouvez dire, il y a encore d'autres histoires. Nous aussi, on se rend compte, et c'est pour ça qu'on revient aussi au nôtre, que cette question de décoloniser les imaginaires et les visions du numérique, on doit aussi se l'appliquer de la même manière qu'on devrait mettre un S à Occident. On doit aussi être hyper vigilant à ne pas tomber dans le piège de ces bouquins ou ces articles qui nous vendent la vision de l'Afrique qu'on a envie de voir. Peut-être parce qu'on en a marre des petits-enfants avec les gros ventres, mais peut-être parce que dans notre vision de l'Afrique post-coloniale, on est toujours dans ce truc un peu condescendant qui doit vraiment être questionné, mais il nous faudrait quelques autres débats sur le sujet.
Vous avez dit 1000 choses qu'on pourrait creuser, donc j'imagine qu'il y a des gens là qui ont envie de creuser. J'ai vu une main qui... Alors, en revanche, j'ai pas vu la main, donc d'accord, c'est... Bonsoir à tous. Je vais peut-être un peu casser l'ambiance. Maxime Bouadji, je suis le CEO de Yellow Relay. Je suis donc un affreux start-upper. Félicitations. Mais heureux d'avoir créé 10 emplois sur le continent en 2 ans et demi. Je voulais juste faire une remarque avant de poser une question. Je pense que, enfin, malgré toutes les critiques que vous pouvez en fait, opposer au capitalisme, moi, je serais très, très heureux de voir qu'une langue africaine comme celle qui est parlée au Bénin ou ailleurs soit saisie par un grand groupe pour faire justement émerger la culture africaine aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, peut-être que nous, on est là dans un discours, mais on n'a pas les moyens de le faire. Donc, c'est aussi une innovation, c'est aussi une façon de faire reconnaître l'Afrique que d'avoir, certes, un prédateur, je ne sais pas, comme Google, qui décide de mettre en valeur une langue africaine. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de ma critique, moi, je suis venu en France dans les années 2000 et l'Afrique, en fait... quasiment on rasait les murs, parce que l'Afrique, ça se faisait qu'en stat négative. C'était plutôt le nombre de personnes qui ont le sida, les coups d'État à répétition, les guerres, etc. Eh bien, si la narration a changé, eh bien, on est très content que la narration ait changé. Ceux qui ont envie de rêver plus qu'ils rêvent, mais moi, je suis présent aujourd'hui dans 33 pays d'Afrique. On fait bouger ce qu'on peut faire bouger, et on a encore plus besoin de gens pour venir dans ce rêve-là pour faire bouger plus de choses que de rester en disant que l'Afrique, c'est bien, mais peut-être non. Il y a des choses qui se passent, il y a des vrais trucs qui se passent, qu'on croit ou pas. Aujourd'hui, il y a le saut technologique, il est là. Et ça va plutôt continuer. La façon dont vous amenez le sujet par rapport aux investisseurs, moi, je suis start-upper. Si je n'avais pas des investisseurs derrière, on a eu de très belles idées. On est resté à Paris et puis on se ferait 6 réunions, on prendrait 10 fois le métro, puis on rêverait, puis on rentrait tous chez nous. C'est parce qu'il y a des investisseurs qu'on est capable de créer des emplois ici en France, des capables de créer des emplois aussi sur le continent. Donc, ne pensez pas que, malgré qu'ils sont affreux, on a besoin des capitalistes aujourd'hui. Personne n'a dit qu'ils étaient affreux, si. Non, mais je ne sais pas si tout le monde m'entend. Est-ce que ça va mieux ? Non, mais moi, en soi, le problème, ce n'est pas le capitalisme. Moi, je suis toujours dans une posture très critique, que ce soit critique positive ou négative, mais en tout cas, réfléchir sur ce qu'on est en train de voir aujourd'hui se produire sur le continent, c'est important, je pense. Alors, la première partie, je ne sais pas si c'était une question, mais en tout cas, la première partie sur pourquoi, et si Google décide de faire une super application autour du Yoruba, est-ce que ce serait mal ? Bah, pas du tout, honnêtement. Le but, c'est aussi d'encourager dans les grandes entreprises à s'intéresser à ce qui se passe, ou en tout cas à nos cultures et à ce qu'on a envie de dire, parce qu'on a aussi une histoire, comme tu disais tout à l'heure, et toutes ces histoires, en fait, que renferment les langues africaines sont inaccessibles aujourd'hui en ligne. Et donc, c'est aussi pour raconter notre histoire dans notre langue, parce que je suis persuadée qu'on ne réfléchit pas du tout de la même façon en français ou en anglais. Enfin, si vous êtes bilingue, vous devriez connaître ça. On ne réfléchit pas du tout de la même manière. Et donc, du coup, on a aussi envie de raconter notre histoire dans notre langue,
sur Internet. Donc si Google veut, veut nous aider à atteindre cet objectif-là, c'est pas mauvais. Une fois encore, j'ai donné l'exemple de Google qui effectivement est en train de travailler sur... aujourd'hui, Google Translate existe, je pense, en Swahili, en Hausa. En fait, la question derrière, c'est toutes ces langues-là sont des langues où, très clairement, il y a un intérêt économique. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas traité de la même façon. Et c'est ça ce qui me dérange, moi, personnellement. C'est de dire il y a des langues et, de l'autre côté, il y a... des dialectes. Si vous utilisez ce terme, ne l'utilisez plus. En tout cas, moi, je défends le fait que langue, c'est langue, et on n'a pas à dire que le minan ou une autre langue qui est peu parlée a un dialecte. Enfin, après, il y a un vrai débat sur la question langue-dialecte, mais moi, je considère qu'il y a une sorte d'hiérarchisation qui n'a pas lieu d'être. Mais en tout cas, si ces grands groupes veulent développer des choses là-dedans, déjà, elles ont tout intérêt parce qu'aujourd'hui, elles se privent d'une grande majorité de personnes qui pourraient utiliser leurs services et qui malheureusement ne peuvent pas. Donc voilà, c'est très bien à condition que l'idée soit de mettre tout le monde, d'inclure le maximum de gens possible. Parce qu'une fois encore, l'idée derrière, c'est ça, c'est de ne pas créer des fossés entre certains qui ont accès à la technologie et d'autres qui n'ont pas accès à la technologie. Moi, ce que je dis beaucoup, et c'est ce que tu as précisé tout à l'heure, c'est l'idée de décoloniser Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet n'existe que dans, en tout cas, 80% du contenu n'existe que dans 10 langues. Et Internet est censé être un espace diversifié. Enfin, le monde, dans le monde, dans la vie réelle, il y a plus de 6000 langues. Et c'est énormément d'histoire. Pourquoi Internet existe, en tout cas les contenus sur Internet sont uniquement dans 10 langues, ça n'a absolument aucun sens. Et ne serait-ce que pour garder cet espace-là, qu'on veut tous ouvert, inclusif, diversifié, ben en fait, il faut travailler ensemble pour mettre en avant d'autres histoires. Voilà. Oui, j'espère que je n'ai pas entretenu une confusion entre capitaliste et investisseur. Quand moi je parle de capitalisme, j'en parle comme représentation, comme quelque chose qui ne redistribue pas et qui n'inclut pas. Sinon, moi-même, je cherche un investisseur en ce moment et j'en prendrai du moment qu'il me garantit... que le respect que j'ai de l'inclusivité, de la redistributivité ne sera pas remis en cause. J'allais dire un truc sur les langues. Oui, alors donc en 2100, un humain sur deux sera africain et c'est fort probable qu'à ce moment-là, Google décide de faire ses applications essentiellement en Swahili si les Africains arrivent à imposer le... entre eux, à avoir un consensus sur le Swahili. Mais même à ce niveau-là, c'est là où il faut faire attention à se satisfaire du peu. Pourquoi vouloir un feu de paille quand on peut avoir un feu d'artifice, je veux dire. Quand Google aura fait ce choix, ce sera toujours pour des mauvaises raisons. Ce n'est pas parce que le choix nous permet de un mieux qu'il faut l'accepter. Et quand ça va arriver, si ça arrive par Google, ça veut dire que le Swahili, c'est un concept, hein, sera valorisé, mais que plusieurs langues, eux, vont passer à la trappe. Alors que ce que fait Sinatu, par exemple, est beaucoup plus riche, dans le sens où ça valorise toutes les langues, y compris les petites langues. Et la langue, dans cette envie qu'ont des personnes comme moi de faire une archéologie de nos sagesses pour voir qu'est-ce que ça peut avoir comme puissance de nourrir la modernité, bien, les langues sont un outil très important. Et la langue la plus petite est riche de complexité sur ce que peut être la puissance d'une sagesse. Donc... il faut toujours questionner les approches quand elles sont très top-down. Et pour l'instant, heureusement, hein, on n'est pas ceux qui attaquent le discours d'aujourd'hui, les majoritaires. Donc ça va, c'est pas encore dangereux pour le grand capital.
Oui, alors déjà, je vous passe le bon. Ouais, alors. D'accord, ok. Alors déjà, je vous passe le bonjour de la part de Médard, que j'ai eu au téléphone, donc, qui est fondateur du Blolab et qui a mené à Mac Africa, votre réseau des Fab Labs africains. Avec lui, j'ai parlé il n'y a pas longtemps de vous parler des pays qui sont un peu différents, Bénin. Avec lui, j'ai parlé du Togo. J'ai parlé avec lui d'Education Maker et que là, il était assez surpris du nombre d'enseignants qu'avait eu à Mac Africa pendant le hackathon. Et je voulais savoir au Togo, où est-ce que vous en êtes dans cette réflexion? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec l'éducation nationale, enfin, du pays? Et où est-ce que vous en êtes dans la réflexion de l'éducation maker, ou en tout cas de l'apport de ces nouvelles technologies dans l'éducation? On a essayé de faire entrer ces concepts dans des écoles. Alors, donc, nous, on est entièrement autofinancés encore. Donc, on fait toujours à notre échelle, c'est-à-dire les OL Labs essaie de faire des choses dans le rayon d'un ou de deux kilomètres autour du lab. Il y a 10 écoles autour de Web Lab 0 où on a réussi à faire rentrer un cours sur l'impression 3D de 2 heures par semaine pour les classes de 4e. Mais ça a été très, très, très difficile et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de résistance des écoles, mais surtout parce qu'elles ne comprennent pas cela et qu'elles sont méfiantes de gens qui viennent proposer de faire un cours gratuit chez eux et ils y trouvent une ambiguïté. Donc on a mis en place un autre programme qui ne nous oblige plus à investir autant dans convaincre les écoles, qui est un programme qui complète la formation que les enfants ont dans l'école classique en offrant quelque chose dans les labs où les enfants peuvent venir gratuitement compléter ce qu'ils ont comme formation dans l'éducation officielle. Bonsoir. Comme je ne connais pas très bien l'écosystème des startups en Afrique, mais j'avais cette question. Comment se positionnent les États généralement au niveau de l'innovation lorsqu'un acteur, une startup commence à grandir, commence à croître, commence à prendre de l'ampleur? Comment se positionne l'État en disant, par exemple, je pense que sur certaines startups, elles répondent comme vous avez parlé de MPSAN, elles grandissent assez pour qu'elles se disent ça comble un déficit d'infrastructure que l'on a. Et comment se positionne donc l'État en rentrant dans le capital ou dès le début pour essayer d'accompagner justement certaines de ces pousses en disant écoutez, peut-être que au-delà du banco, de dire que ça va aider l'infrastructure du pays. Et voilà, juste savoir comment l'État se positionne, les États se positionnent par rapport à ces pousses. C'est une bonne question. Et en fait, moi, j'ai remarqué quelque chose. La plupart des gouvernements africains, ça les arrange d'encourager ou en tout cas d'inviter tous les jeunes à entreprendre et tout ça. Donc du coup, pour moi, c'est effrayant, quoi. C'est-à-dire que dans tous les discours politiques, en tout cas auxquels j'ai accès, il y a comme une sorte d'incitation à aller créer des entreprises. Et en fait, derrière tout ça, c'est des mots pour derrière ne pas véritablement aider les jeunes, leur trouver d'autres emplois, parce que la vérité, c'est que tout le monde ne peut pas entreprendre, tout le monde ne peut pas créer des startups. Donc il y a un petit problème là, parce que elles vont toutes, en tout cas la plupart des présidentes, il n'y a pas le discours où ils ne vont pas dire voilà, les jeunes, créer des startups, le numérique, c'est l'avenir. Et c'est toujours un peu contradictoire quand tu regardes dans les faits, parce que derrière, il n'y a aucun suivi. Donc, de l'extérieur, tu as l'impression qu'il y a comme une volonté politique, une incitation, en tout cas, des États à encourager les jeunes à créer des startups et tout. Mais concrètement, moi, j'ai beaucoup de contacts, que ce soit au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Quand ils vont voir les gouvernements, ah non, les mecs, ils n'ont plus d'argent du tout.
Alors qu'ils ont dit, il n'y a même pas 10 minutes, créer une entreprise et puis nous, on vous finance, quoi. Donc, il y a comme une sorte de décalage. D'une part, on les incite à entreprendre pour derrière ne pas pouvoir leur donner des vrais postes parce que tout le monde ne peut pas entreprendre. Et même pour une start-up, avant d'entreprendre et de réussir, il faut un environnement propice. Ça, on ne le dit pas beaucoup, mais il y a des start-up qui réussissent en France ou aux États-Unis parce qu'il y a un cadre qui est important. Et ce cadre-là, les gouvernements africains n'ont pas encore créé ce cadre-là, donc il n'est pas encore suffisamment solide. Après, si on revient à l'exemple kényan, je ne connais pas, je ne sais pas qui est dans le board de M-Pesa, si l'État a des parts ou enfin, je ne sais pas du tout. Mais je pense qu'ils sont très très contents de valoriser cet exemple-là. Aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient, en tout cas qu'ils leur facilitent la vie, ça ne m'étonnerait pas. Je ne sais pas ce qui se passe au Togo. Y a des questions qu'il ne faut pas poser à un Africain. Alors, du coup, on prend peut-être juste une dernière question et après, on vous proposera de prendre un petit verre et de continuer la discussion de manière peut-être plus informelle. Bon, bonsoir, Matteo Martino. J'ai eu l'occasion cet été de passer plus de 2 mois et demi à travers les startups d'Afrique de l'Ouest, porteurs de projets, incubateurs, hubs, tout. Enfin, j'en ai rencontré plus d'une cinquantaine, réalisé des reportages sur chaque projet. Désolé, Sena, mais j'avais manqué l'occasion de passer au WeLab. J'en ai fait pas mal à Lomé, mais bon, j'ai pas pu venir. Pour finir sur une note d'espoir, des 5 pays que j'ai visités, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigeria, il y a quand même le Ghana qui se distingue pas mal des autres. On parlait de l'État qui finançait les porteurs de projets. Le Ghana le fait notamment par l'intermédiaire de tout un réseau de hubs à travers plusieurs grandes villes du pays. Ce qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire, quand on sort d'Abidjan ou de Yamoussoukro, on n'a plus rien. Au Bénin, ça commence à s'afficher un peu avec le gouvernement qui confie directement des projets de transformation digitale de l'administration à des startups locales, alors que d'autres pays le confient encore à des multinationales étrangères. Là encore, ça rentre en contradiction avec leur discours. Bon, au Togo, c'est un peu plus compliqué. Et au Nigeria, pareil, quand on voit les moyens que l'État a à sa disposition et le peu qu'il donne ou qu'il transfère à ces projets-là, on se pose des questions. Ouais. Mais il y a quand même des lueurs d'espoir. En tout cas, avec le Ghana et le Bénin, c'était des belles surprises. Si je me souviens bien, tu as été introduit par le ministère. Oui, j'ai rencontré... Qui nous avait demandé de t'accueillir. Tu aurais dû venir avec ton sac à dos, tu aurais visité WeLab. Un problème de planning, en fait, je t'expliquerai. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une toute dernière question? Ou sinon, bah, donc... pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu. Pour la parité des questions. Oui, voilà, je suis contente d'intervenir parce qu'il n'y a pas trop de filles qui ont parlé. En même temps, je parle toujours trop, mais je suis contente qu'on ait dit, Sinatou, que tout le monde ne peut pas entreprendre. Parce que quand on était à la conférence de Samir là, la semaine dernière, il y a eu un chiffre qui a été rappelé, qui, bon, après, les chiffres, ça vaut ce que ça vaut, mais de 68% des femmes en Afrique sont des entrepreneuses. Et moi, je veux bien, mais j'ai quand même un peu une double question là-dessus autour de toute cette dynamique de entrepreneuriat, start-up, émergence, etc. J'ai un peu l'impression que on se dit à la fois, de toute façon, c'est le continent de l'entrepreneuriat féminin, les femmes entreprennent, les Nana Benz, etc. Enfin, au Bénin, on est très content de toutes ces dynamiques-là qui sont hyper inspirantes, mais que quand même, à côté de ça, on s'épargne de vraiment se poser les vraies bonnes questions d'une véritable parité, équité dans le domaine de l'entrepreneuriat, du numérique. Quand on parlait de la représentativité des langues sur le Internet tout à l'heure, c'est quand même encore hyper compliqué aujourd'hui pour une femme de s'exprimer librement sur Internet. Ça l'est aussi de pouvoir s'exprimer face à des investisseurs, en fait. Je finis un peu ma question, mais j'étais au Maroc la semaine dernière et on était face à
une fondatrice d'un fonds d'investissement qui nous a dit, en fait, il y a à peu près le même nombre dans les personnes qui arrivent en seed, donc qui sont vraiment les premiers stages d'investissement de femmes que d'hommes. Mais dès qu'on passe en fait en classe C, qui sont vraiment les stades supérieurs d'investissement, en fait, il y a 90% d'hommes là à ces niveaux-là. Et enfin, c'est toujours très compliqué, voilà, pour les femmes de dépasser les barrières structurelles et de dépasser cette espèce de success stories de c'est génial, les femmes entreprennent quoi. Donc, je voulais avoir un peu votre regard sur la question et saluer au passage le fait que, fort heureusement, comme c'est assez rare dans ce type de configuration, on a ici un panel paritaire avec une animation et une représentation des images qui est fort égalitaire. Donc, merci. Merci beaucoup, Johanna. On se connaît bien. Merci d'être là. Il y a une chose que j'ai pas précisé et qui est aussi très très marquée dans le bouquin de Felwine Sarr. Il faut vraiment le lire. il faut vraiment lire. En fait, c'est que il y a beaucoup de termes qu'on utilise aujourd'hui, émergence, entrepreneuriat, start-up. Je ne dis pas ou PNB ou PIB. Enfin, tous ces termes là qu'on utilise beaucoup pour décrire l'Afrique aujourd'hui, qui sont à remettre en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PIB n'a pas été... Il y a énormément d'efforts, hein, en tout cas, qui sont en train de naître. Le PIB, il y a beaucoup d'économistes qui disent que ça n'a pas vraiment un sens dans un contexte africain, parce que les critères qui sont pris en compte ont été... en tout cas, sont nés dans un autre contexte. Donc, il y a énormément de choses... qui pour moi, en tout cas, sont vraiment à creuser comme émergence, entrepreneuriat et tout ça. Le problème, je ne sais pas si je répondrai à ta question, mais le problème, à mon avis, c'est qu'on va juger ou en tout cas, on va évaluer les entreprises africaines par des critères qui ont été décidés ou en tout cas précisés ailleurs. Et donc, du coup, quand on est une entreprise africaine et qu'on doit nous évaluer selon les critères de la Silicon Valley, bah, en fait, c'est compliqué. Bien sûr, je n'ai aucun intérêt pour une entreprise, pour un investisseur américain, alors que mes réalités ne sont pas du tout les mêmes. On va attendre de moi que je me développe dans 6 mois, alors que je suis une femme, j'ai une famille. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, tous ces critères-là, en fait, vont être calqués à des entrepreneurs, hommes ou femmes, d'ailleurs, sur le continent africain. Et à mon avis, ça freine beaucoup, beaucoup de choses. Donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses à questionner et qu'il faut prendre énormément de recul en tout cas sur ce qui se dit aujourd'hui et de comment on parle de l'Afrique. Je pense que s'il y a encore une chose à faire, c'est d'aller en Afrique, quoi. Honnêtement, c'est même pas de venir nous écouter ici à Paris, c'est de faire une expérience et de se déplacer, et d'aller sur place. Même moi, je reste à Paris. Si je ne vais pas sur le continent au bout de 6 mois, je perds mes repères parce qu'il se passe tellement de choses et ça évolue tellement vite. Que s'il y a une façon d'apprendre encore sur ce qui se joue là-bas, parce qu'une fois encore, il y a des choses qui se jouent là-bas, bah, il faut y aller, quoi. Merci beaucoup pour ce mot de la fin et encore merci pour vos interventions.